Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventure Man toujours prêt qui vous présente un nouvel épisode de notre aventure sur les mines des Eptules, le cristal d'azur. On approche bientôt de la... Enfin les amis, alors c'est parti, nous continuons l'aventure. Prochain objectif, après avoir rencontré l'effet du lac et malheureusement d'avoir assisté la mort des pauvres jumeaux vampires, nous devons nous rendre immédiatement à la zone volcanique de droite. Ce n'est pas très loin d'ici, mais il faut passer des ponts et il faut surtout pas se tromper de chemin comme je suis en train de le faire. Je pense qu'on va prévoir au moins peut-être 4 ou 3 épisodes, mais ça dépend de l'avancée et de l'aventure. Après tout, c'est pas à côté le repère du voleur bleu. On y retrouvera bien sûr Yvécotère et Soline qui sont déjà là-bas. Wow, quelle flamme! J'ai mis une contre-attaque, hein. Si vous visez Rock, attention à vous. On comprend pas pourquoi c'est une sorcière alors que je ne l'ai même pas encore touché. Bon, avec Maya je ne peux pas bouger. Hop. Oh, presque. Dans le mille. Scott gagne un niveau. Et Fleur aussi qui apprend guérison 2. Bon, c'est pas encore par là, c'est encore il faut descendre. Voilà. On y est. Voilà enfin la cachette de l'ennemi. Rejoignons les autres anciens moins étages supérieurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourra pouvoir avoir comme ennemi ici? Oh, ce sont les mêmes. Bon, autant qu'à faire, autant les battre les amis, hein. On ne sait jamais, un boss pari. Et lui à n'importe quel moment. Faut gratter un peu de points d'expérience après tout. On commence à m'énerver. J'ai à me toucher comme ça. Voilà, le soleil est paralysé. Vas-y. Brise armure. Roche ici. Flamme 2. Écriture de la foudre.
Ouais, grand débarras. Ah, sorcière de vaincu, respecte la soldat éliminée. La fille soldat à détruire plutôt. Parce que c'est son nom, hein. Et voilà le travail. On est okay, presque au niveau supérieur. Oh, des coffres. De l'eau. Super, de l'eau. Ça peut être utile. Ah, nos amis sont de l'autre côté. Faut faire le tour. Sur le système RP, je me cœur. On a le système de la tour. La tour est composée de 5 étages. Moi, je les ai pris. Comme ça, après, j'ai juste apporté quelques modifications. Je l'ai pas changé totalement parce que je me suis dit que ça servait à rien. Quand vous créez des maps sur PlayMaker, vous pouvez prendre des cartes d'exemple qui vous servent. Vous pouvez carrément enlever tous les éléments si ça ne vous intéresse. Ne reste pas égard. Il est le système de la map. Et faire toute autre chose. Vous pouvez couvrir les zones noires par exemple. Comme ça au moins ça sert. Mais si vous préférez dans un système et que vous voulez sentir certains éléments, il n'y a pas de problème. Hein. Après tout, c'est vous qui créez le truc. Après, moi j'ai un conseil à vous donner, les amis. Mais vous pouvez très bien regarder les images des cartes qui font sur internet. Hein. Vous marquez RPG Maker VX Ace Map en anglais parce que si vous mettez carte, ils vous mettront pas ça parce que de base RPG Maker est un logiciel anglais. Et non pas français. C'est juste voilà. Il faut avoir un système de crack pour pouvoir l'avoir en français. Mais il y a certaines personnes qui ont réussi à trouver une version française. Après moi, j'ai utilisé un système de crack pour pouvoir l'avoir. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Après, vous voyez, il y a quelques maps que qui n'ont rien à voir avec le système RPG Maker, mais que j'ai simplement regardé sur internet ou en regardant des vidéos. Ouais, il y a aussi des vidéos où est-ce qu'ils vous montrent des maps super qui vous permettent de donner quelques idées. Un instant les amis, je m'arrête à quelques secondes. Voilà, j'étais juste à côté. Quelqu'un me parlait juste. Alors hop, on continue. Bon, maintenant, je suis obligé d'utiliser de vacances parce qu'on a perdu un peu de temps. Ninja. Ninja. Ah, notre coffre. Un flacon d'eau. Un flacon d'eau également. Hop, voilà, j'arrange juste le micro. Eh les gars. Voilà les amis, on vous attendait ici, vu que c'est calme. Eh mais où sont Sonia et Manu, et pourquoi il y a des filles dans le groupe? On va tout vous dire. D'accord, je comprends mieux. Il y a encore pas mal à monter ici, alors pressons et vite. Ouais, pressons et vite. Le vin a été trouvé. Moi aussi. Tous ces objets vont me servir, les amis. Pour le boss. Et bien sûr, pour quelques mini-boss, si jamais on devait en affronter. Oh là là, je vous jure les amis. Ah, on est encore repéré par des ennemis. On a pris l'avantage, donc je peux fuir. Ouais, parfois le système vous pourront dire que vous avez pris l'avantage ou soit que vous subissez une embuscade. Typique des jeux RPG, mais... Maker. Après vous devez sûrement connaître la série des Talaf. Hein. Dans certains Talaf, ils vous disent si vous êtes pris en embuscade ou pas. Ou comme aussi dans Star Ocean 4 qui était sorti sur Xbox 360. Ça aussi ils vous le disent. Eh ben j'ai récolté beaucoup de boissons boost. Tiens tiens.
Oh zut, ces voyous ont réussi à trouver notre père. Laissez-nous peu. Si tu veux, on n'a pas tant à perdre avec toi. Oh, Sap, non, pas question. Aucun de vous ne passera. Cette cérémonie de lion doit avoir lieu jusqu'au bout. Scott va faire le combat. Oh, mais il est déjà dedans. Bon, qui c'est qui s'est pas trop entraîné? Voyons voir ça. Ouais, Céline, vous êtes pas très en forme là. Ok. Ouais, je vais mettre Elio également. Donc c'est parti les amis. Pour ce boss. Ce n'est pas le voleur bleu. Le voleur 2 est un petit peu plus loin dans le jeu. Un ange vampire apparaît. Oh mon dieu. Personne ne doit interrompre cette cérémonie. Personne! Comment ça personne? Et moi j'ai droit bien d'interrompre hein, si j'ai envie. Non mais oh. Ouais, il commence déjà avec Flamme 2, lui. Donc en effet. Bon, il va falloir lui faire un peu de dégâts, je crains. On n'a pas rugissement encore, mais je peux très bien lancer d'autres attaques. Pas ici. Oh. Je vais essayer de lancer Munis pour lui prévenir de magie. Non, ça n'a pas marché. Reste casque. Il n'a rien senti, mais son attaque diminue. Normal, parce que sa défense n'est pas encore touchée. Attaque brutale. Augmenter l'attaque. Et prends ça. Ah, mais il va encore continuer à lancer flamme d'eau ou quoi? Il m'énerve à lancer cette attaque. Encore lui briser son attaque. Oh non, malédiction. Notre attaque retourne à la normale. Ah, j'ai réussi à le paralyser. Je savais bien qu'il fallait lui faire un peu de dégâts. Voilà, là on a le champ libre. On va pouvoir lui faire des dégâts. Hop là, attrapé. Séisme. Lumière. Malédiction des ténèbres. J'ai bien fait qu'on ait beaucoup de points de pointe technique hein, pour utiliser ce truc. Qu'est-ce que... Allez, attaque brutale. Oh. Ouais, allez, on continue. C'est éclair. Boum. Il est résistant les amis. Hein. Allez, on continue. Ah, rush. Je cherchais qu'est-ce que j'allais utiliser. Allez, encore un point. Ouais. Dans le mille. Oh là, pardon. Soline grâce au niveau 12. Oh, une acroisine, une fusil maîtrise, une boisson boost et 500 j'ai obtenu. Yeah. Mince. On peut avancer maintenant les amis. Restons quand même sur ton garde. Je pense que cette paix incondation est sûrement paix. Celle à tout du voleur bleu. Fleur a raison, continuons, mais avec prudence.